Bonjour tout le monde, bienvenue sur Palmislan. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous, pas bon ici de là. Pas oublier, avant d'aller, vous faire geste ça, vous apaiser, abonner et puis vous apaiser cloche là pour capable être connecté avec nous. Nous venons voter pour update justement sur Kassa. Eh bien, c'est un groupe de monde qui était relé, ça a subi injustice pendant que vous avez demandé asile, qui traînait Haïti, la justice, nous connaissons Haïti, qui c'est Jensi. Et qui est responsable de déportation, c'est Immigration Customs Border Enforcement. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui la donnent, notamment un jeune homme qui a 23 ans, Jérôme Martinez. Monsieur passe n'importe 8 mois en prison, en pile misère. Monsieur Dou, par exemple, l'icône campé dans le ligne, il y a plusieurs personnes pendant plusieurs temps, juste pour là, pour le capable de bien. Monsieur même rapporté. Pendant qu'il est en prison, il y a un dent craché net, l'obligé d'utiliser men, à un serviette pour râler la men. 8 mois en prison. Et il a porté plainte pour qui ça? Parce qu'il dit que Immigration Customs Enforcement ne pas suivre directive institution, directive la qui s'allie. Normalement, pour tout individu qui a demandé asile, qui a sa un credible fee, ça veut dire. Il beaucoup accepté, mais j'en parle à eux que lui, ça le dit à crédible. Et que lui, pas un gang, lui, pas une menace. Procédure l'a dit, faut t'alaguer moun sa on parole. Ça veut dire moun sa ou la gueule on parole. L'a toujours gain pour la devant code. L'a toujours gain pour le présenter devant la justice. Ok? C'est ça ou les yon. Temporary release, ça veut dire ou bay moun nan, ou lage moun nan de manière temporaire. Au lieu pour yon te fè ça, yon choisi kembe yo de manière indéfinie dans prison. Malgré que yon te satisfait justement minimum lorsque, en fait, pour yon te qualifié pour s'andarele et parole là. Jérôme Martinez, jeune homme ça, lui-même qui a 23 ans, monsieur répété, qui a maître pris chaque fois le fait application pour parole, yo, bah, le refus, bien que lui était un véritable candidat de satisfaire condition, parce qu'il n'a pas de gain, comme d'ailleurs les criminels, l'histoire, il avait dit, il n'a pas de background, il n'a pas de gain causé criminel, lui était gagné, mais au contact par Boris qui t'a sponsor, lui, un US citizen, lui n'a pas considéré ça, il a un risque. Pourtant, yo pa jam bay monsieur, yo pa jam accepté application pour parole li. Yo kembil pendant 8 mois a passé misère en prison. Je dis à monsieur avec un bon lot moun ki yo fait ça, relé ici la justice. Fondou bien parlant de Kassa, et Jimon Martinez qui a 23 ans. Présentement, pendant qu'on a parlé là, eh bien, le monsieur ta la justice, yo bali asile. Asile li granted. Parce que c'était yon moun. On étudie en culte, il te gen des menaces vraiment vos côtés que lié. Mais malgré M. Genazeli, il dit faut le poursuivre M. Saoul la justice parce qu'il fait passer trop de misère pour ne pas faire l'autre monde ça. Et maintenant, en pile monde qui a fait débat sur bagage ça, il dit ça a soulevé en pile question sous traitement que il a fait monde qui a demandé asile pas bon ici aux États-Unis, nous si tu n'as pas les surtout pour moun kap mande asile, le ou traverse frontière, bien entendu. Parce que yon moun ki sou vize, konnen lò mande asile ou pa gen pou al nan prison, bien entendu. Ok? Et en pile moun di que ça montre à clair justement et qui jan que yon traite moun sa yo pa de manière inéquitable. Côté que yon pa vle ba yon parole, alors que yon pa yon nan background yon criminel, yon pa pose yon risque pour société ya. Normalement, suivant directive IC, moun sa ou te supposé joindre parole. OK? Et fanon tou koze parole pour plusieurs moun ki nan prison sous administration tromplan. Yo rend compte que ça diminué, ça plongé. Alors que moun yo nan prison nan situation déplorable. Et Jérôme Martinez, qui a 23 ans, lui dit c'est la foi que tu as fait pendant la prison. Ça. La journée qu'on a nuit, il était toujours à prier. Parce qu'il pensait qu'on l'est, bon Dieu a venu retirer quand même.
Parce que je nomme ça la palo qui n'a pas mis plusieurs monde sous prêtre là. Il dit en fait l'histoire c'est que ça. Il était étudiant qui était impliqué dans bagarre politique dans membre opposition. OK? Parce qu'il devait combattre corruption dans pays. Eh bien police t'es menacé la ville. Ou t'es menacé la mort, c'est ça fait t'es sauvé. OK pour la demander asile. Il était obligé de quitter pays. OK? Il traversait à pied pour la demander asile. Et maintenant, monsieur dit, il était en pile temps, il passait en pile temps. Et puis, à la fin, pour aucun bel fait, il passe en bonne misère dans la prison. OK? Mais d'abord, nous bien, n'a pas parlé de un centre spécifique là. Côté que vous dit que il a fait bagaille ça. OK? Yo parle de centre dans New Orleans. En fait, on dit prison pour immigrants dans New Orleans. Yo dit, constaté ces derniers jours, ça n'arrête les paroles là, yo pas ça du tout. 0%, c'est comme quand d'adou, ça pas existé notion parole là pour centre ça. Il y a quelques centres qui bail, mais centre dans New Orleans, statistique yo monte c'est 0. Yo bail parole même. OK? Yo bail parole du tout, c'est ça fait. Nous parlons de New Orleans, IC Field Office. Donc, présentement, pour l'année 2019, c'est zéro lieu. Donc, c'est ça fait, il y aurait la justice pour dire comment? Parce que, ou pas qu'à quelqu'un, mais mon nom va voler lui. Parce que, là, il y a un migrant pour voler, bon, quand c'était temps pour le faire. Depuis le Paris, ou supposé la gueule, depuis le bon côté, il y a un monde qui va prendre. OK? Et, donc, voilà, j'ai posé ça hier. Et parce que traitement au niveau de Dieu là c'est vraiment difficile parce que tant de transférer mon nom de un côté en l'autre et puis yo pas vraiment prend soin yo yo dans une situation difficile et donc ça veut dire qu'on est là New Orleans pour aller pour répondre question la justice pour expliquer pour qui ça quelqu'un met des individus jusqu'à 8 mois de manière indéfinie en prison, alors que la procédure a dit que les 8 mois n'ont pas un risque, n'ont pas un problème, li appliqué pour parole ou supposé la guerre. Donc, ici, pour gagner pour répondre à la question. Fondou bien, dans le cas, je n'aime pas parler. Bien que vous avez fait une grande asile, vous avez la guerre, parce que vous avez 30 jours. Aïssi te fait appel, mais à la fin, dans le mois de septembre, il est obligé de la guerre, après 30 jours, il est obligé de la guerre, monsieur. Donc, c'est un cas, et côté que monsieur passe vraiment, monsieur passe près de 236 jours non, au niveau de Aïssi Custody. Ça a coûté l'État 31 621 dollars, à raison de 133 dollars par jour, rapport aux dépenses faites pour côté mon nom coucher. Donc, pourquoi mon exemple qui fait au niveau de la guerre, mon nom 31 621 dollars, ça a coûté l'État. Donc, on n'a pas d'intérêt à quelqu'un, mon nom. Des villes par vous en risque pour faire toute dépense ça. C'est quand vous êtes en prison, c'est payer bal dormi et pour y bal manger. Donc c'est dans ce sens ça. Il n'y a pas d'intérêt l'État, justement, pour qu'il y ait mon nom de manière indéfinie dans la prison. Donc voilà, c'est un lot soutenable suivre pour vous qui pourra le permettre que, justement, IC prend même la cause qu'il y ait mon nom de manière indéfinie dans la prison lorsque il y a demandé asile. Donc nous devons vous update ça pour vous. Et pas oublier de connecter avec nous, puisque nous-mêmes, des informations pertinentes qui dominent l'actualité, nous partageons avec vous. Si vous pouvez vous abonner, vous pesez la cloche là. Et si vous abonnez, checkez cette cloche là sur toutes, pour capable de vous informations que nous partageons avec vous au cours des journées. Portez-nous tout bien.